Tu t'es déjà demandé comment les poissons font pour respirer sous l'eau. Nous, si on essaie, on ne tient que quelques secondes avant d'avoir besoin d'air. Pourtant, eux, ils y vivent toute leur vie. Leur secret se cache dans un organe spécial, les branchies. L'eau, même si on ne le voit pas, contient de minuscules bulles d'air appelées oxygène dissous. Quand un poisson ouvre la bouche, il fait entrer de l'eau, celle-ci passe ensuite sur ses branchies, qui sont faites de fines lamelles toutes rouges et très fragiles. Dans ces lamelles, le sang du poisson capte l'oxygène présent dans l'eau, un peu comme nos poumons captent celui de l'air. En échange, le poisson rejette le dioxyde de carbone, exactement comme nous quand on expire. Puis l'eau ressort par les fentes situées derrière sa tête et le cycle recommence sans arrêt. Grâce à ce système, les poissons peuvent respirer et vivre dans l'eau sans jamais manquer d'oxygène. Mais attention, tous les poissons ne respirent Dieu pas de la même façon. Certains, comme les dauphins ou les baleines, doivent remonter à la surface pour respirer de l'air, car ils ont des poumons comme nous. Les branchies ne fonctionnent que pour ceux qui vivent en permanence dans l'eau. Alors, la prochaine fois que tu regarderas un poisson ouvrir et fermer la bouche, souviens-toi, il n'est pas en train de parler, il est simplement en train de respirer. Si toi aussi tu as une question qui te trotte dans la tête, écris-la en commentaire, je te répondrai dans une prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner pour ne rien louper. A bientôt les petits génies.